Salut à toutes et à tous, c'est Rocher. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec Amo. Coucou Amo. Coucou. On est à ce troisième jour, ou troisième épisode, si vous le souhaitez, de ce Fallen Kingdom ultra modé. Ultra modé. Avec deux modes, voilà, c'est beaucoup. Hein, ultra modé avec deux modes. Donc, je suis toujours chargé de faire la muraille. Amo va peut-être revenir avec pas mal de stuff. Oui, je pense, pas mal. C'est pas mon cher Amo. Ouais, il y a énormément de sa fille. N'hésitez pas, si vous voulez voir sa vue, allez voir son épisode. Bah, ça de même pour moi. Et pourquoi pas lancer les deux épisodes en même temps, comme ça vous voyez les deux points de vue en même temps. Et vous, la voix, bon, par contre, souffrait bien. Ah non, du coup, s'ils gèrent vraiment bien, ils peuvent avoir les voix en même temps, écoute. Il faut bien gérer. Au pire, si j'ai la foi du montage, je mettrai pas ta vue en bas. Non, t'auras pas la foi. Et surtout que je serai pas là, parce que n'oublions pas que cet épisode sortira pendant que je serai en vacances. Et oui. Je ne serai pas là pour répondre à vos commentaires. Enfin, si, je serai là pour répondre à vos commentaires, mais voilà, bref. Il y aura une vidéo annonce qui sera sortie avant cette vidéo. Bref, c'est tellement tourné à l'avance. Là, on est encore au mois de juin, n'est-ce pas, mon cher? Ouais, enfin, au mois de juin, on est le 25, là. Ouais. Mais pour moi, c'est toujours... Oh merde, j'ai posé un bloc en dehors de ma base. Bon, je l'ai ramassé. Je suis désolé, c'est pas fait exprès. C'est une erreur de clic. Une erreur, bon, tu fais chier. Oh, mais il y a énormément de rubis et de saphirs, c'est terrible. Bon. Je suis désolé pour le petit camion qui est passé dehors. J'ai la fenêtre ouverte parce que qui dit juin dit chaleur, qui dit chaleur dit fenêtre ouverte, qui dit fenêtre ouverte dit fraîcheur. Ça te va? Tout à fait. Ok. Hop, bon bah je torche une zone là puis je vais ramasser les minerais. Ah, max. Bon bah il y a énormément de minerais. Par contre, diamant, on en a que 3 pour le moment. Et ça, comment ça s'utilise alors là? Enchanted Dust. Utilité. On peut faire des Enchanted Gems et ça nous sert à faire des... Ah ouais. Magma Sword. Airborne Sword. D'accord. On pourra faire des petites armes assez sympas. Bon, je ramasse le fer. Je vais voir d'ailleurs. Attendez. Ruby. J'espère qu'on sera pas la base qui se fera attaquer en premier. Saphir. Pour le moment, on sait toujours pas comment on va y jouer. Attends, et... Attends, je vérifie un truc là. C'est où? L'épée en saphir et l'épée en rubis, elles sont plus fortes que l'épée en diamant. C'est sérieux? Mmh. Il y a énormément plus de... Ouais, je suis allé virer... Enfin, je viens de regarder... Oh ouais. Aïe. Ouf. Ouf. Surtout, ne crève pas. Non, il a fait boum. Ah, mince. Non, mais je suis pas mort, t'inquiète. Bon, je me fais un pré-stuff en... T'as combien de saphir et de rubis, et trucs comme ça? Bah, rubis, j'en ai 8. Saphir, j'en ai 14, mais il y en a... Okay, y en a... je me fais du stuff en fer. Il y en a beaucoup, ok, vas-y. Ça te dérange pas? Non, vas-y. Je ramasse la redstone quand même. De toute façon, ça fait de l'XP gratuit. Merde, je me suis fait deux pantalons. Bon, il y en aura un pour toi. Ouais. Je suis un autiste. Par contre, ouais, il y a vraiment peu de diamants. Il faut vraiment que tu ramènes beaucoup de fer si possible. Là, j'en ai 38 sur moi. Parfait. Plus on en aura, mieux ce sera. Il y en a pas mal. Je repars miner, j'ai deux pioches en fer sur moi. Ok. Hop, un peu de saphir. Ouais, saphir, ouais. Quelqu'un a dû... Ouais. Quoi? Lol. Il ne faut pas tomber dans ce piège. N'oublie pas que le PVP n'est toujours pas actif. Alors, ils nous l'échangent contre du diams, c'est-à-dire qu'ils ont pas de diams, mais ils ont du charbon. Non, au contraire. Oh, j'ai fait un piège dans les grottes, fais attention. Quand, si tu descends un peu de l'eau, fais attention, à un moment il y a un trou. Je me perds personnellement, moi, dans mes grottes. Hein, donc, Bah, là, je pense que je suis semi-perdu, mais... Bah, t'as les coordonnées. Ouais, j'irai regarder, au cas où. Tac, Enchanted Dust.
Ouais, on peut sortir, enfin on peut revenir via l'eau à la base. Ah ouais, ça c'est vrai ça. Par contre, si je veux rejoindre l'eau, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a le void juste en dessous. Le quoi? L'end, enfin le Le vide. vide? T'es sérieux? Y'a même pas la bedrock? Si, mais ah quoi que, je sais même pas en fait. Si, je crois que j'en ai vu tout à l'heure. Mais à côté de l'eau, enfin c'est net quoi. Attends, faut que je réfléchisse, faudrait que tu viennes un moment dans la base pour qu'on réfléchisse déjà à l'endroit où on met notre salle des coffres. Bah tu Vraiment là, veux. tu ramasses la masse de minerais ou au pire tu reviens, on échange et je pars miner et toi tu fais la base. Bah pour le moment là je ramasse énormément. J'ai pas. Enfin, il y a toujours beaucoup de saphirs, là j'en ai 25 et puis il y en a encore pas mal. Je vais profiter qu'il fasse jour dehors pour peut-être aller péter des herbes. Ouais, vas-y. Enfin, c'est comme tu veux. Peut-être, ou alors attaquer peut-être la maison. Faut faire une maison en bois? Ouais, maison en bois 5 sur 10 avec un toit de. Enfin, avec deux étages. Bah j'irai prendre du bois alors. J'ai quelques bois. Combien? F3, je suis en 45. Bon bah on pourra toujours faire la salle des coffres un petit peu n'importe où dans la base. Bon Tac. bah c'est une bonne chose, je me perds dans mes grottes. Bah, tant mieux. Ouais. En soi, c'est pas terrible pour nous, mais en vrai, tant mieux. Voilà, j'avoue. Pour nous c'est un peu la galère mais. Il ramène du charbon et tout ça. J'espère que t'auras un stack de fer, moi. Ouais, j'en ai 54 là. Sur le retour, j'essaie d'en choper un peu. Par contre, j'ai presque plus de nourriture, je crois. Ah, si, si, en fait. Si, si, si. Si, si, la famille. TMTC ma gueule. Eh oui. Tiens. Saphir et rubis. Donc on prend un peu de rubis et un peu de saphir juste Bon après. bah notre déjà j'ai 4 de hauteur pour la muraille. Bon, ça va? Tu veux la faire à combien de hauteur À au 5 total? c'est les bases, c'est les 5? règles. Ah ok. On est obligé de monter à 5. Je pense là j'ai assez de. J'espère que j'ai. Là j'ai 2 stacks et demi sur moi, bon je pense que ça ne suffira pas. Bon, bah, j'espère que tu t'occuperas un petit peu après. Ouais, t'inquiète. Par contre, tu voudras la placer où ton eau à peu près? Je suis en train d'y réfléchir. Saphir, on a combien? 34 de saphir. Ouais, par contre, pas de diamant. Enfin, 3. Tac. Un peu de charbon, ça fait toujours plaisir. Du fer. Bon, bah, j'ai exploité à peu près la zone là. Je vais aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas du diamant. Ou alors j'explore le mineshaft un peu. Au pire, j'y vais. Bah attends, je regarde. J'éclaire autour du mineshaft si tu veux, tu pourras aller le visiter. Rubis. Tu vas voir, la base a bien changé quand tu vas rentrer, hein. Ah ouais? Bah. Déjà, il n'y a plus de monstres qui risquent de rentrer. Ça, c'est. C'est en rentrant, je pense que je vais tout de suite aller faire l'objectif des minerais, enfin des blocs. Ouais, moi je vais aller faire la maison là, je pense que. Après, on va peut-être s'organiser. Bon, tu n'oublieras pas de récupérer ton. Alors, c'est combien la maison qu'elle doit faire de taille? C'est 5 sur 10. Genre, enfin, je sais pas si tu vois le truc, 10 de longueur et 5 de largeur, et puis 2 étages. Tiens, de l'or. Alors, faut qu'on la fasse. Attends, imaginons qu'on fait 4 épaisseurs. 1, 2, 3, 4. De De l'or là. manodou. On va faire ça là. Et là, 1, 2, 3, 4, c'est parfait, si jamais. On va faire peut-être la maison un petit peu plus de cendre ici. Hop, et 5 de largeur. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Merde, j'ai fait 6. 6. Rubis, dit rubis, c'est des rubis et il est porno, c'est 1, des 2, rubis. 3, 4, 5. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on peut faire 11, c'est minimum ou maximum? La maison. Bah, je sais pas, ils nous disent 5 sur 10, donc Je le MSJ ou pas? Oups. Ouais, mais j'ai le et demande-lui si on peut faire la maison un peu plus grande.
Oh, du diamant, oui. Que 5 de largeur et 10 de longueur. Parce que là, ça fait petit, hein. Par contre, il Oui, n'y a il m'a pas. répondu oui. Ah, ok, bah vas-y. Mais je vais faire 12, allez. Tu sais quoi, je vais même pas ramasser tout le rubis quand il y en a trop. Peut-être que je prends histoire de nous faire deux stuff en rubis. Par contre, là, il y a trop de mobs. On va faire un truc Ah, plutôt beau. si, du lapis. Je combien là? 36. Je crois, mais je pense que le rubis et le saphir, c'est la même durabilité. Donc, au pire, on fait un stuff en saphir et un stuff en rubis. Non? Bah, faut voir. Comme ça, on Je pète aura. l'arbre qui est dans notre base pour le bois. Ok, vas-y. Et merde, il commence à faire nuit. Je vais peut-être pas aller chercher les herbes à cet épisode. J'ai plus de pioche. Lapis, je prends pour colorer. J'espère que t'as vraiment du Ben. fer pour revenir. Ah bah, j'en ai la cuir, tiens. Et que t'as du charbon aussi, parce que là, c'est ce qui commence à nous manquer. J'en ai 22. Bon, je prends encore un peu de rubis et de saphir, puis je remonte. Tiens, je vais prendre la map pour regarder qui c'est qu'il y a. Alors, attends. Oh là, il y en a un avec sa map qui bouge, je sais pas où, il est dans les grottes. Et les autres ont fait comme nous, ils ont posé la map dans le. Dans le coffre. Alors, je crois qu'il va falloir qu'on bouge nos coffres. Qu'on fasse déjà. Qu'on sache à peu près. Bon, j'espère que tu pourras t'en occuper. Savoir un petit peu à peu près où est-ce qu'on va mettre la base, la salle des coffres. Attends, j'ai quoi là? Ouais, ok, tu sais quoi, je remonte. On va voir ça. Bon, la remontée, je suppose que c'est par là. Ouais. Je pense. On mange un petit bout. Moi, je vais peut-être attendre le prochain épisode pour lui faire la maison. Peut-être au prochain épisode, je m'occupe de la maison si ça te dérange pas. Non, non, vas-y, comme tu veux. Puisque il me faudra. Oh. Ok. Je pense que là, je vais pouvoir revenir. Oh. Bon, Squelette essaie de revenir, avec ouais. Sauf que de tu poses le l'armure. stuff et tu sécurises de ce qu'on a déjà. Ouais. Aïe. Moi, je vais retourner chercher de la cobble, c'est très ennuyant, mais c'est très important. C'est la base. Ok, je crois que je suis. Ok, c'est bon. Salut. Attends, je m'occupe de l'araignée qui est derrière toi. Bon, je remonte. Attention, ça a changé, hein. Et te perds pas, hein. Je crois déjà que tu étais perdu. Quoi, Alors, non, je suis en haut. c'est comment? C'est sympa. Ça, c'est quoi? C'est les bases de la maison? Tu l'as fait Ouais, en là. bois. Ok. Ok, Tu vois, ok. swag, et il va falloir que j'aille chercher du bois. Je sais pas, est-ce que je vais miner et tu t'occupes de chercher de prendre de la cobble? Bah, je pense que. Quoique. Je sais pas. Ouais, tu sais quoi, je vais prendre de la cobble pour la fin de cet épisode et au Tu proche. Et peux au faire proche. cuire, s'il te plaît, le fer? Moi, je vais aller miner, là. Tac. Je vais miner parce que c'est assez important et voilà. Et n'oublions pas qu'au prochain épisode, ben. Je vais prendre un peu de cobble. Au prochain épisode, j'irai chercher. Enfin, j'irai poser les blocs. Ouais, moi dans 5 minutes, puisque ça va être la fin de l'épisode dans 5 minutes, je vais aller chercher des herbes et du bois, surtout beaucoup de bois, puisqu'il va nous en falloir pas mal. Oh, on peut faire un couteau. Bon, bref. Je fais une pioche en diams. Ouais, ça nous servira. Et les deux diams qui restent, du coup, il va rester deux diams. Et les deux, on les conserve dans un coffre. On en aura besoin pour la table d'enchante. Et là, la pioche, je la fais pour récupérer l'opsy après. Ok. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. On est chaud patate. Chaud, chaud, chaud. Ah oui, en effet, c'est un petit peu compliqué là, de descendre dans les grottes. Oh, le creeper, il est mignon.
façon, maintenant que j'ai un mini stuff en fer, ça va déjà être assez utile pour survivre dans les grottes. Moi, personnellement, je suis full stuff fer, donc je m'occupe. Ah, t'avais raté du rubis au passage. Ouais, mais j'ai pas tout pris après parce que, enfin, il y en avait. Il y a vraiment beaucoup de rubis, hein, c'est chaud. Ouais, et ce phase Wartech là, il me saoule. Voilà. Je pense que tu sais de qui je parle, phase Wartech. Oui. Le mini squelette là. Objectif, moi, mon objectif c'est diamant. Ah bah, je savais bien que j'avais bien un truc, la bouffe. Achoum. Bon, au pire, j'ai de la bouffe de zombies, ça me servira. Allez, hop. Bon, bon, je vais m'occuper du mineshaft, ok. Ok, vas-y. Il est en quelle couche? F3, il est en 18. Ah bah, j'ai trouvé du lapis. Ouais, j'en ai eu aussi. Et la redstone aussi, faut peut-être en prendre. Que tu as oublié de prendre. Bon, après, je sais pas si j'ai oublié ou si je l'ai pas pris, vu que je sais pas, là j'en ai combien. J'ai 2 stacks de redstone donc. J'ai 2 stacks de cobble, je vais continuer un peu la muraille. Oups, c'est où la sortie? Attends, il n'y a pas de sortie pour la muraille. Tiens, je vais récupérer les. Ah, je parlais de la sortie des grottes. Bah, faut chercher. Ah, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Par contre, je récupère les rails. Ouais. Si jamais on fait un machin avec les minecarts. Ok. Je rajoute une hauteur à la. Ouais. Je continue. Ouais, j'ai trouvé un spawner de mini. De chiante là. De. Un spawner de quoi? De araignées chiantes. Ah oui. Les petites araignées là. Là, je sais pas, soit tu gardes, on prend les coordonnées et on ira XP. Bah, en sachant que c'est des araignées chiantes, je sais pas si on va XP. Hein. Est-ce que je le bute? Comme tu veux. Personnellement, ça nous fait du fil. Mais rien d'autre. Okay. Putain, mais c'est la fête aux zombies, c'est... Bon, je commence une autre couche pour la muraille. Je suis très excité. Tout cela est très... Pourquoi t'es excité? C'est la fête du string? Oui, un peu, ouais. Attends, elle, on va la buter. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai à peu près... Allez, on va dire que j'ai immobilisé le spawner. Par contre, ouais, une épée en fer, ça ne suffit pas. C'est définitif. J'ai du fil pour faire 3 pulls. 3 ? 4 pulls. 4 okay. Pulls, des pulls. Oui, des pulls. Pourquoi tu parles de pulls? Parce que j'ai trop de fils. Ah, ok. Tac, tac. L'iron, je le prends. Là, j'ai remonté, j'ai pas assez de fer et mon épée est bientôt morte. Ça sert à rien que je... Je pousse tout ce qui est stuff là-dedans. Bon, bah, je reviens. Ok, ok. De toute façon, ça va être la fin de l'épisode dans 2 minutes, donc le temps que je rejoigne. Attends que je pose tout mon stuff, technique habituelle. Et donc, au début du prochain épisode, je commencerai à... Ouais, moi je sortirai objectif. Pour aller chercher du bois, pas mal de bois. Parce qu'on faudra faire les bases de la maison, il faudra vraiment faire une maison. Je pense faire mon kigar. Donc... Donc je remonte avec l'eau. Heureusement que l'eau est là. Oh non, putain. Quel est le seul autiste qui arrive à se foirer en remontant de l'eau? Toi. Voilà. On a deux cochons dans la base, on peut les accoupler. Ouais, ça nous fera un petit cochon. Je vais... Alors attends. Une pioche. Je prends la pioche. Oh putain, ah, si j'ai ton... Ok, bon bah écoutez, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve au prochain épisode. Allez, bye bye.